Dans les 25 dernières années, le Québec a perdu plus de 60 000 hectares de zones agricoles. Pour freiner l'étalement urbain et mieux protéger notre territoire agricole, il faut mieux utiliser l'espace urbanisé. Ça peut vouloir dire construire en hauteur, mais ça veut dire aussi gaspiller moins d'espace au sol, par exemple à travers des stationnements de surface ou des routes qui sont trop larges. Un excellent exemple de sobriété territoriale, c'est le CHUM, l'hôpital qu'on a construit récemment au centre-ville de Montréal. Si on compare le CHUM et le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, on se rend compte que sur une superficie 6 fois plus petite, le CHUM, il a 3 fois plus de lits d'hospitalisation et 10 fois plus de personnel médical. Ça veut dire que si au lieu de faire le CHUM, on avait fait en 3 et 10 hôpitaux périphériques sur le territoire agricole, on aurait gaspillé entre 60 et 200 hectares de territoire agricole. Ça, c'est de l'espace qui aurait permis de cultiver assez de carottes pour nourrir entre 150 000 et 500 000 personnes. Donc, pour protéger nos terres agricoles, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'être exemplaire dans la conception d'équipements publics comme les hôpitaux et de mieux protéger le territoire et d'assurer la fin de l'étalement urbain.